bienvenue à l'Arena de Brest pour la quatrième journée de LFH. Dominique Verdon, bonsoir, bienvenue donc dans cette magnifique salle de l'Arena qui devrait battre son record cette saison. On n'a pas joué beaucoup de matchs, mais il devrait battre son record quand même. Dans cette quatrième journée, donc Brest face à Nantes, voilà l'affiche que l'on vous propose, le match qui commencera dans un petit peu moins de 10 minutes maintenant. Une quatrième journée où Brest-Nantes est le point d'orgue. Vous voyez le programme de cette quatrième journée avec notamment l'autre leader, l'équipe de Metz, l'autre équipe qui a tout gagné ses trois premières rencontres, qui affronte Dijon, le classement donc dominé à la fois par Brest et par Metz. Pour voir Nantes, Dominique, il faut attendre un petit peu, il faut attendre plus longtemps, il faut voir plus loin parce que les Nantaises n'ont pas forcément fait le début de championnat que l'on espérait. Si les Brestoises, elles, caracolent en tête, c'est beaucoup plus compliqué pour les joueuses de Fred Bougeant. Oui, tout à fait, Xavier. Alors, peut-être, alors Crédit, c'est maître, c'est une équipe qui se reconstruit, 7 transferts à l'intersaison. Donc, leur laisser un petit peu de temps pour trouver la bonne carburation. Et probablement que dès ce soir, les joueuses de Fred Bougeant vont réagir et réagir fortement contre cette équipe de Brest. Alors, cette difficulté nantaise, elle peut s'expliquer sans doute avec un recrutement assez important. Il faut que la mayonnaise prenne. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Oui, alors, un recrutement important, une méthode de travail différente apportée par Fred Bougeant, donc une véritable transformation de ce club qui a envie de passer finalement du milieu de tableau et jouer les premiers rôles dans cette ligue française. Bon, on va lui demander, justement Fred, vous pouvez venir à notre micro, Magie du Direct, vous pouvez même vous mettre entre nous deux, voilà, c'est la meilleure place. Bonsoir Fred, on est ravis de vous retrouver d'abord dans le championnat français, bien sûr, après votre petite escapade du côté de la Russie. On parlait avec Dominique d'une mayonnaise qui doit prendre. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas dans le jeu, dans les résultats. À Nantes, il faut être patient. Il faut savoir faire preuve un petit peu de patience dans ce début de saison. Ouais, il y a un socle à mettre en place. Évidemment, après une belle préparation, tout le monde a imaginé que tout était réglé. Préparation reste la préparation, donc il y a une nouvelle méthode de travail à acquérir. Certainement une intensité au quotidien qui est un petit peu différente. Voilà, l'idée c'est de se rapprocher des meilleurs, ça nécessite un petit peu de temps, donc on est en train de travailler beaucoup. Les récompenses n'arrivent pas forcément aussi vite que tout le monde voulait les voulait, mais voilà, je crois qu'il faut être patient, travailler et... On a un groupe qui s'investit énormément au quotidien. Il leur faut un match déclic, donc c'est peut-être la bonne occasion ce soir. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien finalement d'avoir ce début de saison assez compliqué pour la suite de la saison? Moi, il n'y a rien qui me perturbe. Je sais à quel niveau d'exigence, à quel niveau de performance on doit être si on veut remporter des matchs en jeu. Et il y a un prix à payer pour ça. Voilà, donc les filles sont en train de payer le prix. Et ce qui est toujours dommage dans ces moments-là, c'est que des victoires rapides peuvent te renforcer un petit peu dans les certitudes, dans les convictions, dans le travail au quotidien. C'est juste pour elle que c'est un peu plus pénible. Moi, je sais où on doit aller. Alors, on voit votre compo d'équipe. Vous mettez les nouvelles. Hein. Vous avez envie, justement, de faire la petite révolution du côté de Nantes. Ah, j'ai changé de composition d'équipe quasiment à tous les matchs depuis le début. J'ai envie d'impliquer les 6 joueuses du centre de formation. Voilà, on essaye de faire tourner. On essaye de trouver la meilleure organisation possible. Puis de s'adapter aussi aux caractéristiques de l'adversaire. Il faut qu'on ait cet équilibre entre notre fonds de commerce à nous et aussi l'équipe de très haut niveau qui nous est proposée en face. Merci beaucoup. Et un bon anniversaire à Raphaël, 2 ans demain. Gros bisous mon chéri. Alors Raphaël, le fils hein, de Fred Bougeant, 2 ans demain, mais il est déjà grand, il court très très vite et il lance le ballon parfaitement. Donc il y a peut-être un avenir dans le handball, il va falloir attendre un petit peu quand même, hein, 2 ans, il reste tout petit, mais en tout cas il y a de l'avenir hein, du côté de Raphaël Bougeant. Il faut dire qu'il y a des parents aussi où il y a du matériel, hein, point de vue handball, il n'y a pas de problème. Alors il le disait en creux, hein, Fred Bougeant, Dominique, il ne faut pas forcément en attendre tout de suite, c'est peut-être ça aussi le point principal de l'interview et des propos de Fred Bougeant, c'est que il faut savoir faire preuve de patience, attendre les résultats trop vite, finalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Oui, alors, il y a deux choses, il y a la notion de résultat à attendre trop vite, et puis je pense que Nantes a besoin maintenant d'un match référence en termes de combativité, en termes d'investissement, pour que le lien collectif psychologique puisse prendre la mesure de cette équipe. Alors, du côté brestois, par contre, là, la mayonnaise prend en ce début de saison. C'est une équipe, Brest, qui jouait déjà hein, les premiers rôles la saison dernière, vainqueur de la Coupe de France, et qui a tenu vraiment la dragée haute au Messines en finale du championnat de France la saison dernière. Cette équipe s'est renforcée, elle est
meilleur sur le papier que la saison dernière. Seulement, bien sûr, ce qui intéresse à la fois nous et puis surtout les supporters brestois, c'est de la voir mieux sur le terrain. Et ça semble être mieux encore sur le terrain par rapport à la saison dernière du côté brestois. Oui, alors, évidemment, le recrutement XXL qu'a fait Brest avec Bella Goulden et surtout Anna Gross peut effectivement imaginer qu'on renverse les pronostics à la fin de la saison. Mais là aussi, il va falloir un petit peu de temps. Il y a le côté droit qui est un petit peu déficient au niveau de l'aile. Donc là aussi, il y a un chantier. Il faut beaucoup de temps, pour beaucoup d'expérience pour que cette équipe puisse vraiment toucher le plus haut niveau français, voire européen. Et ben, on va demander à Laurent Bezeau qui patiente, qui nous a fait la gentillesse de patienter. Merci beaucoup d'avoir patienté un tout petit peu, Laurent, juste avant le début de cette rencontre. Comment se porte votre équipe à la fois en match? On voit en match que ça va bien. À l'entraînement, comment ça se passe? Écoutez, on est dans un début de saison qui nous est plutôt favorable. Quand même, quelque part, on l'avait un petit peu prévu parce qu'on avait rencontré des adversaires qui n'avaient pas les mêmes prétentions, sans vouloir leur manquer de respect, qui pouvaient même être un peu en difficulté. Je pense qu'on est aussi tombé au moment contre Paris. On reste une équipe en mouvement qui savons où on veut aller. Maintenant, les enjeux, c'est il va falloir y arriver, il va falloir y aller. Voilà. Donc, il y a ce soir un écueil assez sérieux qui peut nous faire aller un petit peu en arrière. Alors, l'une des différences par rapport à la saison dernière, c'est une attaque de feu qui marque plus de 30 buts par match. Ça aussi, c'est une grosse satisfaction pour vous? Oui, moi, si on arrive à marquer à chaque fois plus de 30 buts, ça me va, hein, parce qu'il va falloir en marquer un peu plus. Maintenant, on sait que les équipes qui veulent réussir quelque chose de grand doivent aussi s'appuyer sur une défense. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, il faudra le confirmer par cet adversaire qui nous poseront plus de problèmes. Merci beaucoup Laurent. Voilà, une équipe qui peut poser des problèmes, c'est Nantes, hein, évidemment, ce soir. Une équipe qui est revancharde après sa défaite contre Besançon. La compo brestoise, c'est une compo qui peut faire rêver n'importe quel entraîneur. Ah ben, bien évidemment, regardez la base arrière, c'est absolument merveilleux. Mais cette équipe de Brest appuie également sur une défense très solide, avec Léopold Darleux dans les buts et Philippe Hayden, les deux gardiennes, qui ont des relances stratosphériques qui permettent à cette équipe de Brest de se projeter vers l'avant de manière incroyable. Alors ça nous promet évidemment une superbe rencontre. Les joueuses qui se préparent donc avant cette rencontre de la quatrième journée, le coup d'envoi dans un petit peu moins de 3 minutes maintenant entre Brest et Nantes. Alors les joueuses sont prêtes et puis il y a le public hein, aussi qui se prépare, qui a fait le déplacement. Alors ça, c'est pas une surprise, a priori on devrait battre le record cette saison avec quasiment 4000 personnes aujourd'hui dans cette magnifique Brest Arena. Quelque chose de plus hein, par rapport à un match entre guillemets classique. On sent vraiment que cette équipe brestoise passe un test ce soir, comme le disait Laurent Bezeau. Sans doute que les premiers matchs ont été, on va pas dire un peu trop simples, mais en tout cas elles ont gagné facilement hein, tous leurs matchs, les trois premiers matchs de la saison, les Brestoises. Et là elles passent sans doute un test contre une équipe vraiment qui veut montrer qu'elle peut jouer les premiers rôles cette saison. Elle ne l'a pas montré, soyons clairs, lors des trois premiers matchs, parce que ça a commencé hein, par une victoire, mais très très compliquée face à Nice lors de la première journée. Et puis ensuite, une défaite à Fleury, l'ancien club de Fred Bougeon en plus, hein, donc ça faisait des ordres. Et puis cette défaite à domicile nette hein, face à Besançon, ouais, tout à fait. Où on a vu vraiment une équipe en grande, grande difficulté. En grande difficulté, Xavier, certes. Et surtout sur un aspect, c'est celui de l'agressivité défensive, parce que on ne construit pas une équipe de handball, même une équipe de sport co, sans s'appuyer essentiellement sur la défense pour stabiliser, pour combler les brèches et permettre éventuellement le jeu de contre. Alors c'est
les deux équipes vont s'affronter hein, maintenant. On a l'air de bien s'entendre entre les deux présidents. Hein, ils nous ont donné un petit cours de handball et de passe hein, de handball. Notre Gérard Le Saint, le président de Brest, et puis Arnaud Ponroy, le président nantais. Les joueuses sont prêtes maintenant à en découdre. Les arbitres, les frères Gasmi, vous les connaissez, qui arbitrent aussi bien en LFH qu'en Lidl Star League tout au long de la semaine. Bella Gulden, la stratège brestoise, est prête. On a vu Cléo Darleux dans les buts. Svetlana Poplasic. Maintenant, le coup d'envoi de cette quatrième journée à Brest. Brest, le leader de LFH face à Nantes, l'un des prétendants aux premières places. Les Nantaises en grande difficulté au classement. Voilà l'affiche que l'on vous propose ce soir. Oui, tout de suite, Nantes qui affiche la couleur. Regardez, avec une défense étagée, un peu différente. Oui, avec Sandy Barbosa qui va défendre en poste avancé, en poste 3 avancé. Ouais, défense 1-5 hein, pour commencer du côté des Nantaises. Sandy Barbosa qui adore hein, voler les ballons. La petite passe sur le pied de Pauline Baudouin. Anna Gross qui est repartie. Premier ballon pour Pauline Quatanea. Grosse défense hein, des Nantaises. Fred Bougeant l'avait annoncé la couleur cette semaine. Hein, Dominique, c'est aussi hein, et peut-être surtout là que ça va se jouer dans cette rencontre. La défense nantaise va être mise à rude épreuve ce soir. Bien évidemment. Ah, Isabelle Gulden avec Alison Pilon. On essaye de faire circuler le ballon. La bonne défense de Blandine Dansette. Et le banc est le banc. On voit le banc nantais à lever, Xavier. Vraiment, les consignes sont très claires. Beaucoup d'agressivité défensive. Gulden encore qui tentait le croisé. La balle en récupérée par Kalinia Kate avec Barbosa, avec Paul Baudouin et le gros retour de Pauline Quatanea face à l'ancienne Messine, l'ancienne Fleurissoise. Anna Gross maintenant. Là, elle avait un petit peu de chance. Elle a été contrée encore une fois par Kalinia Kate. C'est bien défendu, beaucoup d'intensité de la part de nos équipes. Hein. Ça veut jouer vite, ça veut puncher dès les premières secondes. Et puis Sandy Barbosa hein, qui voyage hein, entre sa défense avancée et puis presque une stricte aussi hein, sur Anna Gross qu'elle surveille vraiment de très très près. Là voici Anna Gross hors secteur avec Alison Pino qui va redonner à la Slovène Isabelle Gulden. La petite passe de décalage, ça c'est bien vu pour Pauline Quatanea qui marque le premier but de cette partie face à Armel Tingré qui est aligné dans les buts par Fred Bougeant. Vous avez donné Catherine Gabriel, il hésitait, hein, Fred Bougeant. Entre les deux, s'est décidé vraiment au tout dernier moment à changer finalement. Elles ont bien joué les Brestoises d'Aguet, elles ont amené toute la défense à l'opposé, elles ont terminé par un 2 contre 2 avec Bella Gulden sur son 1 contre 1 de débordement. Et puis le jump hein, de Pauline Quatanea aussi, qui a pu bien s'ouvrir l'angle du but. Ouais, de l'autre côté, Blandine Dansette avec Camille Aiglon, Kaline Yakate. Voilà des internationales françaises. Camille Aiglon qui est bloquée par Constance Moni. Et derrière, le premier tir et le premier but pour Sandy Barbosa. Et tout de suite, hein, Fred Bougeant qui demande à ses joueuses de replier au maximum. Ouais. Et ça marche avec la mauvaise passe d'Alison Pino pour Anna Gross. Ouais, Sandy Barbosa bien plus à l'aise, bien plus à son avantage, Javier, au poste d'arrière-gauche. Du côté de son bras, elle est capable de déborder. Et vous avez vu ce jump à mi-distance qu'elle est capable également de réaliser. Mais la base arrière nantaise, franchement, vous parliez de donner envie à beaucoup d'entraîneurs. Yakate, Barbosa, Camille Aiglon, oui, c'est pas mal non plus. Ah, oui, c'est pas bien, mal c'est non bien. Plus. Oui. On en va parler à l'intérieur d'Hélène Gomez, la pivot brésilienne. Yakate avec Barbosa. En position de demi-centre, Kaline Yakate encore une fois avec Paul Baudouin. Et l'interception de Pauline Quatanea, petite faute de Sandy Barbosa. Mais on s'applique justement à hein, replier vraiment le plus vite possible, le mieux possible. Bella Gulden, la belle passe de la main gauche. Et Constance Moli qui marque, ça passe hein, sur les extérieurs du côté brestois dans ce début de match. Ouais, et ça passe également sur le jeu intermédiaire, sur le jeu de transition. De transition, voilà Xavier. Pour Armel Tingré comme tout à l'heure face à Pauline Quatanea. Voici Constance Moni. Alors on a peu parlé hein, de Constance Moni, l'ancienne chambraisienne. On a beaucoup parlé comme recrue. Hein, on a beaucoup parlé de Bella Gulden, notamment Oudana Gross. Constance Moni, elle donne entière satisfaction à Laurent Bezo depuis le début de la saison. Le bras qui est levé.
Sandy Barbosa, le petit Schweiker, elle est passée toute seule, comme une grande, le débordement. Et ensuite, le petit tir croisé pour tromper Cléopâtre Darleux. Ouais, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle se sert de ce travail collectif, finalement, de passe, les Nantaises, pour trouver des espaces. Et cette joueuse, Sandy Barbosa, est capable, honnêtement, Xavier, sur les duels, de battre n'importe qui sur la planète handball. On a toujours l'impression d'une éternelle jeunesse hein, pour Sandy Barbosa, qui a 32 ans et qui a un jump comme s'il en avait 22. Ça, c'est pas mal. Hein. Aussi, tentative ouais, de 1 contre 1. On recherche beaucoup les débordements extérieurs de Bella Goulden, soit pour aller au tir, soit pour décaler à l'aile. Allez, le ballon remis en jeu par Constance Moni avec Alison Pino. Anna Gross, encore une fois, toujours chassé hein, par Khalid Yatou Niakate. Ouais, qui est sorti là. Ouais. Sur les duels face à face, elle est vraiment très très présente. Anna Gross, encore une fois, bien accrochée par Niakate. C'est passé pour Constance Moni, le tir sur la barre pour l'ailière brestoise. Et encore une fois, une grosse séquence défensive pour les Nantaises. Oui, on l'avait annoncé, Xavier, c'est par ce segment du jeu que les Nantaises peuvent rentrer en cohésion, en tout cas sont en plein combat, et pouvoir apporter la plus grande résistance possible face aux Brestoises. Alors, il y a un changement, hein, attaque-défense du côté des Brestoises. Anna Gross ne fait qu'attaquer, et c'est Martha Monguet qui entre à sa place pour ne faire que défendre l'Espagnol. C'est pas mal, hein, là aussi, comme changement. On n'a pas réussi à retrouver Hélène Barbosa, le ballon récupéré par Saljana Poplazic, remonté derrière par Alison Pino, le jeu de transition avec Martha Monguet qui a redonné à Alison et le tir sur la barre transversale, le ballon récupéré par Camille Aiglon. On va donner un petit carton jaune. Ouais, attention à ce petit manque de réussite de la part d'Alison Pino, parce que vraiment très clairement quand Brest appuie sur l'accélérateur, Xavier, ça fait très 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 mal à chaque fois. Nantes aurait intérêt à aller jouer un peu sur les extérieurs parce que actuellement toutes leurs attaques sont portées dans le secteur central. Et puis Hélène Gomez, elle a du mal hein, à écraser la défense. Camille Aiglon le tire largement au-dessus. C'est un peu rapide, Xavier, c'est un peu rapide le choix. Il n'y avait pas vraiment de différence hein, de fait. Isabelle Goulden, encore une fois, super sortie de Kaline Yakate, impériale hein, depuis le début du match. L'international hein, appelé par Olivier Crumbles. On fera de nombreux points hein, équipe de France. Vous savez que l'Euro approche à grands pas. On parlera du défi handballissime des championnes du monde 2003 à la mi-temps. Et puis bien sûr de cet Euro qui approche avec le premier match de l'équipe de France dans un peu plus de mois et demi. Avec Alison Pino, elle n'arrive pas hein, pour l'instant à se défaire des Nantais. C'est fait individuellement avec Alison Pino qui a profité du travail aussi hein, de Slajana Poplazic pour pouvoir s'élever et mettre le ballon hors de portée d'Armel Attingré. Ouais, beaucoup de patience dans le jeu brestois et puis une Alison Pino qui sait prendre ses responsabilités au bon moment. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais, c'est bien aussi. Kaline Niakate, la prise d'intervalle externe. Il y aurait eu jet de 7 mètres hein, de toute façon parce que Pauline Cotanea avait fermé largement en zone. Oh, Anna Gross, elle se fait secouer par Kalidia Niakate. Mais c'est bien, c'est très très bien ce que fait l'internationale française. Elle coupe les courses intérieures d'Anna Gross. Sur les duels de près, elle est également très présente. Il va falloir tenir aussi, hein, physiquement. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vraiment une grosse, grosse débouche d'énergie. Anna Gross, encore une fois, la petite passe à l'intérieur, elle était bien vue. Et il y aura 2 minutes pour Sandy Barbosa, le tirage de maillot de l'international espagnol, né à Madère, originaire du Portugal, mais international espagnol depuis pas mal de temps hein, maintenant. Sandy Barbosa, vous la voyez à chaque compétition européenne, et a priori on devrait la voir cet hiver sur Bein au mois de décembre en France. L'Espagne qui est dans un groupe délicat en plus hein, avec les Pays-Bas, avec la Croatie, avec la Hongrie. Ça se jouera tout ça du côté de Montbéliard, alors qu'à Brest, les Bretons accueilleront les vice-championnes du monde norvégiennes et championnes d'Europe, bien sûr. Allez, Anna Gross, le premier tir déclenché, mais qui a été contré encore une fois hein, par Kaline Niakate et par Camille Aiglon.
c'est même Camille, hein, visiblement, qui contre ce ballon. Allez, on va jouer avec le but vide. Les Nantaises, on le rappelle, sont en infériorité numérique, donc elles vont jouer à égalité numérique en attaque, ce qui impose aux filles du H de rester... Du NH, on dit, ouais, excusez-moi. Voilà. Des formations professionnelles. Exactement. Ah ben, faut pas créer de polémique hein, entre les filles et les garçons à Nantes. Non. Hein, commencez pas, Dominique. Non. Ah. Allez, Niakate, ça s'est bien joué encore avec Hélène Gomez, qui a réussi à reprendre ce ballon. Pas de parade hein, pour l'instant pour Cléopâtre Darleux. Et bien vu hein, de la part de la pivot brésilienne. À bout portant. C'est bien ce que viennent de faire les Nantaises, là, à trouver la brésilienne. Elles étaient à sa recherche, je dirais, depuis le début de la partie. Allez, l'interception derrière de Blandine Dansette. Hein. Toujours très performante hein, dans ce secteur. Les interceptions, elle sort là de son poste d'ailière. Elle sait défendre en numéro 1, en poste 2, sans problème. Blandine Dansette. Ce qu'on peut dire, Xavier, c'est vraiment les Nantaises sont rentrées parfaitement dans ce match. Mène au score après 10 minutes. Alors, l'équation, vous l'avez tout à fait bien formulée. Combien de temps peuvent-elles tenir? Ben ça, seule la suite pourra nous le dire. En tout cas, leur infériorité numérique, visiblement, ne les gêne pas. Elles ont marqué tout à l'heure et elles ont réussi à intercepter un ballon. Ça pourrait faire 2-0, pourquoi pas, avec Niakate. Et la première parade, la voici pour Cléopâtre Darleux, qui va relancer rapidement pour Pauline Quatanea. Parfaitement prise en charge par Camille Aiglon. Défense en zone, malgré tout, Xavier. Ouais, il y aura un jet de 7 mètres. Mais sans rien de plus pour l'ancienne Nîmoise. Défense en zone sur la fin de l'action. Et possibilité pour Bella Goulden de marquer son premier but. Laissez-moi revenir sur la relance absolument extraordinaire de Cléo Darleux sur Quatanea. Allez, première feinte. Et sans problème, derrière, elle a bien croisé son tir. 4 partout après presque 11 minutes. Et les points serrés de la demi-centre suédoise. Elle aussi, bien sûr, sera à l'Euro. On n'a pas douté, sauf blessure. Elle sera à Nantes avec son équipe de Suède. Avec le Danemark notamment. Suède-Danemark, ce sera la première affiche d'ailleurs de ce groupe. Et vous aurez... le plaisir d'y être, hein, Dominique. Et Paul Baudouin, complètement hors secteur. Un tir d'arrière pour l'ailière nantaise. Qui est venu sur cette grande course pour une solution plein centre. Ah, ça, c'est trop compliqué. On essaye de jouer hein, toujours à l'intérieur avec Sadjana Poplazic. Ça ne fonctionne pas. Le repli brestois qui est bon. Et Kalidiatou Niakate qui remonte le ballon avec Camille Aiglon qui est arrivé pour prendre l'intervalle et pour marquer, pour prendre deux buts d'avance. Nantes mène 6-4. Ouais, c'est très propre ce qu'elles viennent de faire les Nantaises là. Très très bon changement de rythme de Kalidiatou Niakate pour décaler Camille Aiglon à l'extérieur. Et puis l'opération anti-Anna Gross fonctionne hein, pour les Nantaises parce qu'elle n'a pas mis un seul but pour l'instant la Slovène. Elle n'a même pas été vraiment en position de tir. Au point où c'est Martha Manguet qui vient de la remplacer, Xavier. Exactement. Pour apporter autre chose hein, aussi, Isabelle Goulden avec Martha Manguet va plus travailler bien sûr sur ses appuis. Alors revoilà l'Espagnol avec le tir à travers. Voilà la variété aussi hein, offensivement. Ouais, elle est extraordinaire, Martha Manguet, c'est vraiment le couteau suisse de cette équipe brestoise. Elle est capable de jouer arrière droite, arrière gauche, elle est très efficace en défense, l'Espagnol. C'est elle qui vient débloquer la situation là, alors que Brest jouait avec trois droitières sur la base arrière. Et Paul Baudouin avec Camille Aiglon et avec Sandy Barbossa, on n'a pas changé hein, pour l'instant la base arrière à Nantes. Là aussi, il n'y a pas vraiment grand chose de fait. Et ça vient entre les jambes de Cléopâtre Darleux. Je dirais que l'espèce d'apathie offensive des Nantaises a un peu chloroformé la défense brestoise. Et finalement, Camille Aiglon a profité pour surprendre par un tir à mi-distance Cléo Darleux. Toujours trois droitières sur la base arrière, entrée à l'intérieur.
Faustin Snowy. Ça a failli passer pour Isabelle Goulden, qui s'appelle bien Isabelle, hein, son prénom. C'est pas Isabella, c'est Isabelle. Et son surnom, c'est Bella, parce qu'il y a un peu toutes les sources. Voilà, ça c'est bien joué. On a réussi à la servir, il y a rasé de 7 mètres. Le premier ballon, vraiment, hein, pour Slatjana Poplazic, avec une belle action de Alison Pino. Et de Poplazic également, qui était en position secteur central et qui a glissé, on l'a très bien vu, dans le dos de la défense. Deuxième face-à-face pour Isabelle Goulden avec Armella Tingré, qui essaye de prendre le plus de place possible. Et là, qui prend le ballon entre les jambes. Variété infinie de tirs hein, pour Isabelle Goulden. Oui, toujours un pourcentage de réussite au jet de 7 mètres impressionnant pour la Suédoise. Là aussi, c'est une énorme plus-value pour cette équipe, alors que Béatrice Escribano vient de faire sa rentrée au poste de demi-centre du côté nantais. Oui, elle était entrée hein, tout à l'heure en infériorité numérique. Là, c'est le premier changement vraiment sur la base arrière pour Fred Bougeant. Et on va jouer aussi hein, à trois droitières sur la base arrière avec Santi Barbosa, le petit lob derrière qui tombe sur la barre transversale, mais elle récupère. Et ce sera en zone, elle était passée en zone au moment de récupérer ce ballon. Mais alors, quel slalom spécial dans la défense brestoise. Derrière, c'est allé très vite avec Marta Mangui. Le ballon récupéré par Slatjana Poplazic. Et Brest qui revient à égalité pile au quart d'heure de jeu, 7 partout. Et Brest qui ne laisse aucune occasion hein, finalement passer là, alors qu'ils étaient un petit peu en difficulté. Imaginons que Barbosa ait marqué ce but, vous voyez là. La différence aurait peut-être pu se faire un peu plus, mais immédiatement, elles ont contré derrière et trouvé une solution par Poplazic. Ouais, Niakate avec Béatrice Escribano. Ouais, complètement de l'autre côté, ça s'est bien joué aussi. Et le tir qui passe à côté pour Paul Baudouin. Ancienne fleurissoise, ancienne Messine, hein, Paul Baudouin, ancienne meilleure buteuse du championnat. Ouais, qui fait un très très beau début de saison, Paul Baudouin. Forcément, il y a un petit peu moins de lien, Xavier, dans le jeu nantais, avec l'absence d'une gauchère oui. Sur la base arrière. Un peu d'ailleurs comme Brest actuellement, avec Martin Mangué au poste, section numéro 99, au poste arrière droite. Oui, l'interception de Camille Aiglon. On ne s'est pas compris entre Nissan Pino et Isabelle Goulden. Et derrière, le poteau rentrant pour Camille. Et l'avantage toujours hein, pour les Nantaises. Ouais, poteau rentrant et puis surtout superbe défense de la part de Camille Aiglon avec beaucoup beaucoup d'activité. Cette défense centrale nantaise a vraiment beaucoup d'allure. Ouais, ouais, avec Kaline Niakate, gros travail pour les deux. Pauline Cotanet avec Marta Mangué, c'était ouais, dans les chaussettes. Ouais, c'est bien rattrapé aussi hein, par Lisa ouais. Pino, c'était pas facile. Oh, la passe, elle était compliquée. La passe de Bella Goulden pour Pauline Cotanea. Ah, les petits pas, on a vu, hein, les deux petits pas vers l'intérieur pour essayer de s'ouvrir l'angle hein, de l'ailière brestoise. Et Paul Baudouin très discipliné en défense. Hein, vous avez vu, Xavier, elle garde bien son secteur. Elle prend pas de risque. Elle sait que Cotanea, c'est vraiment une ailière qui fait mouche souvent du côté brestois. Et le premier temps mort dans cette partie. Posé par Fred Bougeant, qui a sans doute tout lieu hein, d'être satisfait du début de match de son équipe. C'est pas le même Nantes que l'équipe qui a joué face à Besançon. Non, parce que ce Nantes, Xavier, s'appuie sur, on l'avait dit hein, en avant-match, hein, sur ce qui est essentiel pour prendre confiance, pour gagner en cohésion. C'est une défense vraiment extraordinaire, avec, on l'a dit, dans le secteur central, Kaligatou, Niakate et Camille Aiglon. Probablement que Frédéric là est en train de faire des réglages plutôt offensifs, parce qu'on a vu que depuis quelques minutes ça piochait un petit peu en défense, même si Camille Aiglon, même si Sandy Barbosa sont capables de trouver des solutions de manière très individuelle. Et puis depuis le début de cette partie, c'est surtout avec leur défense hein, justement qu'elles ont réussi à contre-attaquer par exemple, ou avoir des ballons de jeu rapide. Sur le jeu placé, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, même si elles sont très disciplinées, très patientes, ouais. elles font avec les moyens tactiques du bord, les moyens du moment. Alors certainement que ça va monter en charge et sur la seconde partie de saison, je pense que les progrès seront très présents.
Et pour l'instant, cette équipe de Nantes est très très séduisante. Oui, mais il faut lui donner du temps, hein. C'est ce qu'on disait. Bah pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il y a Kate avec la part de Cléopâtre Darleux, le tir qui a été contré, remonté par Slajana Poplazic, qui est parti en slalom. Monet Vakopi a fait son entrée côté des Brestoises. On va faire le changement, attaque-défense, le retour d'Anna Gross. Un petit peu moins de percussion du côté nantais en attaque. On a vu Escribano rester en demi-position. C'est un peu ce que Fred Bougeant lui reproche depuis le début de la saison. Aller mettre la tête dans les intervalles pour libérer de l'espace pour ses partenaires. La sortie en Iago de Slajana Poplazic. Anna Gross maintenant qui revient. Secteur central, la fin de passe d'Alice Sotpilo qui essayait de passer. Défense limite zone de Kalidia Toun Yakate. Non mais c'est bien joué et voilà la part d'Armel Latin Grec a bien laissé traîner son pied face à Pauline Quatanea. Ce qui fait aussi la différence, Xavier, c'est la performance de Kalidia Toun Yakate en défense face à Anna Gross, hein, parce qu'on connaît la force de frappe de la Slovène et là aujourd'hui elle est complètement mise sous l'été noir par la Nantaise. Et ça perturbe, forcément le déroulement du jeu brestois. On sent en tout cas qu'on recherche vraiment des solutions. Et pour l'instant, on ne les trouve pas chez les filles de Laurent Bezeau. Niakate qui revient encore une fois. Et la passe qui n'aboutit pas jusqu'à Hélène Gomez. La contre-attaque pour Pauline Quatanea. Bien maîtrisée par Béatrice Escribano. Et ballon perdu derrière Très par Martin Manguet. Très très bon repli des Nantaises. Quatanea qui aurait eu intérêt, regardez, à jouer sur l'extérieur. Voilà, c'est là, il faut aller à l'extérieur, elle revient à l'intérieur. Ah, puis elle est attendue hein, par Béatrice Escribano. Mais ça aussi, c'est un bon signal pour une équipe quand une équipe est très très active sur le repli défensif. Escribano. Allez, Barbosa encore une fois dans ses appuis. Ah, elle cherche le débordement extérieur. Hein. Un très très beau duel entre deux très grandes championnes. Goulden, Barbosa. Et Marion Lima, elle est en train de s'échauffer sur le banc brestois. Ah, Barbosa, encore une fois, le ballon qui a été contré par Bella Goulden. Elle n'a pas pu le toucher. Cléopâtre Darleux. Ballon qui reste donc en faveur des Nantaises, qui mènent toujours en 20 minutes de jeu. Elle mène 8-7. Les joueuses de Fred Bougeant. Allez, ballon perdu par les Nantaises. Un petit coup de moins bien du côté nantais. Là aussi, l'absence de Camille Aiglon sur la base arrière, alors qu'elle vient de refaire son apparition en défense, Camille. Voilà, on sent que ça manque un petit peu de lion, je dirais même un peu d'expérience. Garder la balle longtemps, trouver des solutions, surprendre l'adversaire. Là, c'est vraiment le jeu de cette joueuse d'expérience. Et puis, match essentiellement défensif. Hein. Dominique, assez peu de buts depuis le début de la partie. En voilà un et c'est le premier pour Anna Gross. Et on a vu toute la rage de la Slovène derrière après ce tir premier poteau. Il aura fallu attendre la 21e minute, Xavier, pour qu'Anna Gross marque un but. Et puis, c'était en demi-position hein, pour le tir. Il n'y avait rien qui était fait. Elle s'est un petit peu débrouillée toute seule. En tout cas, première période passionnante, hein, très très accrochée. 8 partout, 21 minutes de jeu. C'est le sommet que l'on attendait dans cette quatrième journée. Escribano avec Kalin Yakate qui est maîtrisé par Jovana Stojković. En carton, la Serbe. Ouais, Gomez, elle a un petit peu de mal à marquer les positions à l'intérieur, à perturber la défense centrale. Avec la grosse activité hein, de Jovana Stojković pour essayer de la maîtriser. Béatrice Escribano. Ouais, c'est bien ça, c'est très très bien. Voilà ce qu'on lui demande à Béa Escribano, c'est se projeter dans les espaces et d'aller au bout. Alors, Alison Pino va se reposer sur le banc. On a fait revenir Anna Gross. Et donc là, la base arrière, c'est Anna Gross avec Isabelle Goulden et avec Jovana Stojković. Ouais, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est correct, ça va. Le croisé avec
Anna Gross. On est arrêté. On va essayer de relancer un peu la machine brestoise avec Stolkovic, avec Isabelle Goulden en position d'arrière gauche. La passe magnifique pour Stolkovic. Pas de faute malgré les protestations de la pivot serbe. Pas de faute sifflée par les frères Gasmi. Béatrice Escribano qui est repartie de l'autre côté avec Niakate qui essayait de passer, oh, mais qui a marqué en zone. Et donc le but lui sera refusé, ne sera pas accepté. C'était bien joué de sa part, elle est allée flécher Anna Gross en défense. Regardez comme la Slovène est en difficulté hein, en poste 2. On sait que c'est pas du tout sa spécialité. On a eu les protestations juste devant nous hein, du banc anglais, ouais. Et notamment de Guillaume Sorina qui est au taquet hein, sur le banc. C'est même Fred Bougeant qui lui a demandé de se calmer un petit peu. Alors on sent en tout cas qu'ils ont vraiment envie de faire un coup dans cette quatrième journée. Karishmaïko qui est entré, toujours les trois droitières, ça ne change pas. Escribano avec Niakate, avec Eko. Niakate encore une fois attaqué par Isabelle Goulden. Escribano, ça passe peut-être pour... Vous avez vu que Laval a du mal à aller de la gauche vers la droite, c'est normal avec des droitières, c'est difficile d'amener la balle comme ça quand on est droitière de la gauche vers la droite. Ça marche beaucoup mieux dans l'autre sens. Un petit schwenker de Niakate avec Karishmaïko encore une fois maîtrisé par Moneva Kopi. Le bras qui ne devrait pas tarder à se lever. Ça fait longtemps qu'elles ont le ballon, les Nantaises. Voilà, c'est fait. Avec Escribano, avec Niakate. Qui va attaquer, plein fer dans le secteur central. On était au bord du marché, on revient à une faute. C'est compliqué hein, pour marquer pour les Nantaises. Ouais, très très peu de buts dans cette première période, mais ça défend énormément. Il y a cassé encore une fois, et là c'est intercepté par Stolkovic avec Alison Pino pour le jeu de transition. Isabelle Goulden qui se propose, ce sera pour Modeva Kopi qui tente le lob, mais ça ne fonctionne pas face à Armel Attingré. Attention hein, parce que faut pas la chauffer. Armel Attingré, si elle démarre son match, ça peut être problématique pour les Brestoises. C'est pas un très bon choix de la part de Modeva Kopi, la Solob. Elle a été un petit peu arrêtée hein, à la fin de cette action. Mais là, elle a largement les moyens de trouver une autre option de tir. Et qui est revenu avec Karishmaïko, la bonne Qui a du mal, qui a du mal à libérer sa balle. Hein, ouais. Karishmaïko, alors que Blandine Dansette attend toujours sur son aile. Escribano avec Barbosa, la parade facile pour Cléopâtre Darleux. Ouais, derrière, il y a une faute, hein, il y a une vraie faute de Sandy Barbosa. Alors c'est bien hein, de vouloir jouer. Le passage en force à tout prix, mais là c'est une vraie obstruction. C'était très très limite, hein, très franchement. Alors que Cléo Darleux avait complètement anticipé sur le tir coin long de Sandy Barbosa. Elle a cherché la relance longue hein, tout de suite. Oui, oui. Elle a pas de solution et voilà, elle joue de manière intermédiaire avec Goulden. Il se fait scotcher par Barbosa. Ça va, un souffle coupé pour la Suédoise. Ouais, le public qui manifeste ils avaient probablement attendu une sanction un peu plus importante pour Sandy Barbosa. Ouais, remplacé par Amandine Tissier. Ce petit croisé avec Stolkovic qui a un petit peu glissé, mais le retour de Marion Limal qui prend ce ballon et qui le garde dans les mains brestoises. Ouais, Marion Limal, véritable exemple pour ce club de Brest. Elle se sacrifie, regardez là, en se jetant sur la balle, mais pas que. Elle a accepté de jouer au poste de pivot également alors qu'elle est arrière gauche. Ouais, elle avait joué hein, déjà un petit peu la saison dernière. Ouais. Pour dépanner, hein, le temps mort cette fois-ci pour Laurent Bezot et 10 aides de but hein, dans ce match, Dominique. C'est assez impressionnant, 9 à 8 hein, simplement que l'habitant va intervenir dans 5 minutes à peu près. Bah, deux très très grosses défenses hein, qui ont du mal à être perforées par les attaques, que ce soit brestoises ou nantaises. On trouve des solutions sur le jeu intermédiaire.
On avait trouvé des bonnes solutions au départ par Brest sur les côtés, souvenez-vous. Et puis finalement, les Brestoises ont peut-être perdu un petit peu confiance avec cette maîtrise faite sur Anna Gross. Mais on peut compter sur Laurent Beuzeau pour remettre tout son groupe sur les rails. Parce que même en étant en grande difficulté en attaque, pour la première fois de la saison, hein, on songeait qu'elles n'ont marqué que 8 buts. Les Brestois, c'est ce qu'elles avaient marqué en 8 minutes à Paris lors de la précédente journée. C'est dit hein, aussi la performance de la défense nantaise depuis le début de la partie. Mais voilà, il faut trouver les solutions. Malgré tout, il n'y a pas péril dans la demeure parce que même en étant vraiment en disette en attaque, par contre en défense, ça tient plutôt bien. Et les Nantaises sont juste devant simplement. Et on est reparti avec les mêmes joueuses. Toujours avec Marion Limal au poste de pivot. Anna Gross avec Stojkovic, le tir sur la barre, récupéré par Marion Limal encore une fois. Et c'est pas payé pour l'intervention de Karishma Eko. Ouais, elle a mis toute la gomme pour Hermel Attingré. Elle a juste regardé le ballon fracasser sa barre transversale. La revoilà, la Serbe avec Anna Gross, avec Amandine Tissier qui revient à l'intérieur avec Marion Limal qui peut libérer sur le côté. Ouais, c'est bien pris. Une faute. C'est bien pris par Karishma Eko. Ah, mais là, c'est bataille de tranchées, hein, vraiment. Bien sûr, Xavier. Stojkovic, encore une fois, avec Anna Gross qui essaie de se lever, qui est repoussée par Barbosa. Non, mais c'est très très bien défendu de la part de Sandy Barbosa, il n'y a rien à dire. Alors, le délégué qui intervient. Petit carton jaune pour Fred Boujon. Alors très franchement, il est à 1m50 de nous, hein. On n'a pas vraiment vu quoi que ce soit de répréhensible, mais bon, allez, pas de problème, hein. C'est pas la première fois de sa carrière, hein. Pour un carton jaune. Allez, Anna Gross, et la belle parade, ouais, qui force un peu son tir, Xavier, très clairement, hein. Alors j'irai 10 mètres. J'irai pas jusqu'à parler de doute chez Anna Gross, tellement la joueuse est extraordinaire, mais on la sent piocher un petit peu face à cette énorme défense nantaise. Ouais, Sandy Barbosa et Iñakate sont vraiment occupés d'elle depuis le début de la partie. Ça pose vraiment des problèmes aux joueuses de Laurent Beuzeau. Allez, Camille Mandré qui a fait son apparition au poste de pivot. Karishma Eko qui ne passera pas, encore la belle bonne sortie hein, de son poste derrière de Modeva Kopi. Ouais, Fred Boujon qui demande encore un temps d'attaque encore plus long, les faire travailler pour ouvrir les espaces. 3 minutes à jouer dans cette première période et Alice Pino qui vient défendre. Ballon récupéré par Stojkovic avec la passe pour Amandine Tissier et le tir coin long qui ne laisse aucune chance à Armel Attingré. Ouais, un petit peu pressé les Nantaises là de jouer à l'intérieur avec la jeune Camille Mandré. Vous avez vu, Xavier, immédiatement la punition. On se projette vers l'avant avec Amandine Tissier. Et on revient à égalité, hein, 9-9. Exactement, et Fred Boujon hein, qui demande un petit peu plus de patience à ses joueuses. Et pas forcément d'aller systématiquement chercher à l'intérieur. Voilà, ça c'est bien joué de la part de Barbosa. Il y aura un 7 mètres. Ouais. Ouais. Bah, ils ont bien fait d'insister secteur central, hein, franchement. Bon, j'étais parti pour expliquer à tout le monde qu'il fallait jouer un peu sur l'extérieur. Ah ben non, Camille Mandré, chapeau, qui récupère la balle dans des conditions difficiles, qui va chercher le jet de 7 mètres. Ouais, puis on a vu hein, toute la classe aussi hein, de Sandy Barbosa. 1 contre 2 hein, qui a réussi à donner ce ballon à sa pivot. Karishma Eko face. Ouh, bah, transversale et attention à la montée de balle avec Stojkovic et attention stoppé, à ces, et attention Xavier à ces détails et ces jets de 7 mètres, on ne place pas un lob comme ça à Cléo Darleux bien évidemment. Là il faut s'appliquer, chaque ballon pèse son poids d'or dans ce genre de match. Allez, Martha Monguet. Dans 20 secondes, on sera dans la dernière minute de cette première période. Martha Monguet, encore une fois, qui navigue avec Stojkovic, avec Amandine Tissier, qui laisse pour Modeva Kopi. Il n'y avait pas beaucoup de place et elle réussit à retrouver la lucarne d'Armel Attingré. Mais sur les extérieurs, Xavier, on l'avait dit. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait, Karishma Eko? Là, j'ai pas tout compris.
le tir pris très très vite. Et attention, hein, parce que ça peut tourner dans ce genre de choses, dans ce genre de détails, un match. Ouais, attention, Karishma Eko, deux ballons consécutifs, un petit peu vendangés. Public hein, qui donne de la voix. Pauline Coatané à Martha Mangué, maintenant avec Amandine Tissier, le tir la barre. Ouais, il fallait le faire, hein, cet arrêt-là pour Armelle Attingré qui a juste touché le ballon pour le détourner sur son poteau. Karishma Eko maintenant qui essaye de passer en 1 contre 1, c'est pas passé. Sandy Barbosa, ouf, avec le stop hein, de Modeva Kopi face à Camille Aiglon. Il reste 7 secondes, hein, le jeu, le chrono qui continue de tourner avec Barbosa et la faute offensive de l'Espagnol. On va rester là sans doute avec le ballon gardé hein, par Sandy Barbosa et les arbitres qui n'étaient pas forcément d'accord. On a bien sifflé un marché. Il y aura un 9 mètres à jouer. On va en rester là dans cette première période, palpitant vraiment de bout en bout. Et c'est plutôt Nantes hein, qui a mené dans cette première période. Et ce sont les Brestoises qui reviennent avec un but d'avance au vestiaire. Et on a vu vraiment de belles choses hein, dans cette première période. On va attendre les Brestoises qui rentrent au vestiaire avec cette première période finalement assez compliquée. Oui, Xavier, une intensité défensive assez rare, je dirais, dans la Ligue féminine française. Hein, vraiment un énorme travail de la part des Nantaises et des Brestois. Chapeau à ces deux équipes. Oui, gros match, grosse opposition. Pauline, alors Brestoise, ancienne Nantaise et re-Brestoise maintenant. Vous connaissez parfaitement l'équipe en face. C'est une équipe qui vous donne beaucoup de fil à retordre dans cette première période. Oui, on savait que ça allait être un match difficile, sachant que les Nantaises ont perdu leurs deux derniers matchs. Donc elles jouent un peu à la vie, à la mort, on le ressent. Donc c'est très physique. Après, nous on a perdu beaucoup de ballons, je trouve, en première mi-temps. Donc on va falloir régler ça. Et on se fait peut-être aussi beaucoup écraser en défense. On a des difficultés en défense et à marquer les buts derrière aussi. Donc il va falloir qu'on règle ça et peut-être mettre un peu plus de rythme, jouer un peu plus vers l'avant, comme on a su le faire sur les trois premiers matchs qui nous ont permis de gagner. Mais voilà, là on est devant à la mi-temps, c'est quand même bien parce qu'on a beaucoup souffert. Et pour la première fois de la saison, c'est pas un match d'attaque, hein. Vous n'êtes pas à courir comme des lapins du début à la fin de la rencontre. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il faut se battre pour marquer les buts, il faut mettre la tête par terre. Et puis voilà, ça va être la même chose en deuxième mi-temps. Donc gros combat encore pour gagner cette deuxième mi-temps. On va voir ça, merci beaucoup. Bonne seconde période, Pauline. Voilà cette rencontre qui promet, hein, vraiment cette seconde période qui promet entre les Brestoises et les Nantaises. Ce sont les Bretonnes qui mènent quand même 10 à 9 à l'issue de cette première période. Mais on a vu vraiment les Nantaises capables de leur poser de gros, gros, gros problèmes. Beaucoup de suspense donc à venir dans les 30 dernières minutes. On verra tout ça après une petite pause. On va repasser par Paris et puis, comme promis, hein, on va avoir une belle surprise avec la présence des championnes du monde 2003. Elles étaient dans les Alpes, hein, du côté d'Annecy, pour une opération de promo, un défi handballissime à quelques semaines du début de l'Euro. Vous verrez tout ça avec Valérie Nicolas, avec Véronique Péqueux notamment, ou encore avec Raphaël Tervel. Bref, les championnes du monde d'il y a 15 ans maintenant, hein, ça nous rajeunit pas. Bah, elles étaient toujours en grande, grande forme du côté d'Annecy. On voit tout ça et puis on revient à Brest à l'issue de cette pause pour la fin de la mi-temps et puis le début de la seconde période. À tout de suite.